Bonjour, Monsieur Dansereau. Merci d'avoir Bonjour. accepté cette invitation-là. Donc, c'est une discussion qu'on va avoir comme ça autour de votre carrière, avec l'angle d'approche qui sera un peu la technique, votre rapport avec Comment technique, ça a puis changé à travers les années? tout à fait. Donc, avec une carrière impressionnante, mais la discussion s'inscrit dans les travaux du comité doctoral de Technis, donc il y a une espèce de volonté à la fois de démocratiser le savoir, donc de rendre disponible des éléments de savoir. Et puis, toujours orienté sur la diffusion. Donc, ce sera un élément qui sera disponible en ligne. Donc, encore là pour D'accord. partager tout ça. Donc, merci beaucoup. On va faire votre carrière de manière chronologique avec certains arrêts sur certains éléments. On ne peut pas faire toute la carrière parce que c'est trop majestueux, mais on va essayer de voir certains éléments sur lesquels vous voulez cibler, en fait. Pour commencer, j'aimerais un peu voir avec vous votre arrivée dans le milieu du cinéma. Comment un journaliste papier se ramasse à faire du documentaire à l'ONF, qui est assez. J'étais chroniqueur syndical. Je faisais la chronique ouvrière au journal Le Devoir. J'étais un militant enflammé à partir de mon âme pour toute la cause ouvrière. Puis, les typographes du Devoir font la grève pour une revendication salariale qui dépassait de loin notre échelle à nous, là. Donc, vous étiez au devoir à ce moment-là. J'étais au Devoir. Et puis, c'était mes principes que je n'ai jamais traversé une ligne d'épitage. Puis de toute façon, si j'avais fait ça, ça aurait rompu ma carrière auprès des syndicats et tout. Alors, avec quatre autres journalistes, on a refusé de tracer les lignes d'épitage. Le syndicat des journalistes n'existait pas encore à cette époque-là, mais l'ancêtre de la CSN d'aujourd'hui, ça s'appelait la CTCC, tentait de lancer un syndicat de journalistes. Alors, ils nous ont aidés un petit peu. Ils nous donnaient, je pense, 5 $ par semaine. À l'époque où notre salaire habituel, c'était 20 $ par semaine, autour. Et après quelques semaines, ils nous ont réunis l'après-midi pour nous dire, écoutez, c'est perdu, on ne peut plus continuer à vous soutenir, puis de toute façon, la grève va continuer. Et là, on a reçu la note officielle comme quoi la direction du Devoir, le directeur Gérard Filion, vous congédiait. Alors, il dit, Gérard Pelletier qui racontait ça, il dit, on a réussi à trouver des emplois pour trois d'entre vous, c'est-à-dire pour Marcotte, puis l'autre. Puis quand il arrive à moi, ben, il dit, écoute, avec tout ce que tu as écrit dans le journal, c'est difficile de te replacer. Que je pars de là, puis moi, j'habitais à Varennes à l'époque avec, j'avais déjà 2 enfants, avec mon épouse. J'étais plutôt déprimé, il me restait 45 $ à la banque, j'avais pas de travail. Je décide de faire une petite sieste avant le souper, puis ma femme m'a réveillé vers 5 h 30 pour me dire, il y a quelqu'un qui t'appelle d'Ottawa. Et puis, au bout du fil, il y avait un monsieur qui dit, je m'appelle Pierre Junot, je suis secrétaire de la commission de l'ONF. Puis, on a entendu dire que vous seriez peut-être disponible comme journaliste. Ben, nous, on cherche un journaliste pour une série de télévision qu'on veut faire dans l'Ouest canadien. Alors, si ça vous intéresse, on vous a réservé un billet ce soir à la gare Windsor pour prendre le train. On vous attend une chambre à l'hôtel Algonquin, Ottawa, et on vous attend demain matin à l'ONF à 9 h, si ça vous intéresse. Pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Alors, j'avais comme pas le choix. J'avais une famille à supporter, puis je me suis rendu à j'ai pris le train, je suis rendu à l'hôtel, et puis le lendemain, j'ai eu une journée de screen test absolument farfelue, toutes sortes d'histoires niaiseuses qui me faisaient faire. Puis à la fin de la journée, le directeur de la production m'a proposé un contrat. Il était convenu qu'il me proposerait 5 000 $ par année. Mais il a commencé l'entrevue, c'est un anglophone, il a dit, « Sir, young man, you want to be in the film business? » Candidement, je lui ai dit, « No, sir, I'm nervous about it. » À cause de ça, il m'a offert 6 000, parce qu'il ne va pas que je dise non. Puis, c'est un bon moyen de négocier. Il n'était pas question que je retourne chez nous. Le lendemain, ils m'ont fait le tour du magasin pour m'habiller parce que j'allais paraître à l'écran. Puis, le 2 juin 1955, ils m'ont mis sur le train pour Winnipeg pour aller rejoindre l'équipe qui était déjà rendue là. Fait que je suis entré dans le cinéma purement par hasard, sans y avoir pensé. Mais vous aviez un bagage de cinéphile ou pas vraiment? Pas tellement. Je m'intéressais, j'allais dans un ciné-club, mais comme consommateur. Puis au niveau de la technique, à ce moment-là, comment on... Je connaissais rien de ça. Puis
On tourne deux ou trois films avec moi à l'écran, puis j'avais jamais vu ça, mais des rushs, tu sais. À un moment donné, les films étaient développés à Ottawa, puis tu as renvoyé à l'équipe pour qu'on les visionne dans un motel le soir avec un projecteur. Puis quand j'ai vu ça, j'étais catastrophé de voir la performance que je faisais. Ah, tu sais. Parce qu'on vous voyait à l'écran. Oui, c'est surtout moi qu'on voyait, les gens que j'ai rencontrés. Alors, j'ai dit au directeur de réalisateur de l'époque, Bernard Develin, je suis pas bon là-dedans, je vais retourner à Montréal. Alors, le fils m'a téléphoné là-bas, on dit, bien, on aimerait ça te garder. On préparait un projet de long métrage documentaire sur l'éducation ouvrière, peut-être que ce serait dans tes codes. Ils m'ont eu avec ça, tu sais, c'était mon militantisme qui continuait. Je suis rentré à Ottawa, je commençais à scénariser. Le premier film que j'ai écrit, qui s'appelait Alfred J., qui est l'histoire d'un leader syndical. Et puis, je suis entré le fils. Puis le fils, à l'époque, tout explosait. C'est-à-dire que le fils avait été en crise. Avec l'arrivée de la télévision, ça avait complètement transformé la fonction de l'office du film au Canada. Mm-hmm. Et une des tentatives que le gouvernement fédéral faisait, c'était de redonner une nouvelle vocation à l'office du film. Alors, ils nous ont engagé plusieurs. Du côté francophone, cette année-là, il y a 11 jeunes réalisateurs qui ont engagé. Et puis, on s'est mis à faire des films avec des techniques les plus légères possibles. On reviendra sur la légèreté de la technique, là, mais qui fait que nous autres, on faisait des demi-heures pour la télévision qui coûtait 5 000 $ seulement alors, à produire, alors qu'ils se faisaient des 10 minutes avant ça qui coûtait 35 000 tu sais, fait que, il y a eu une espèce de phénomène écologique, là, l'écologie du cinéma et de la télévision, qu'on est arrivé juste au bon moment, juste au moment où il y avait une demande. On est entré, on ne savait rien du cinéma. Il a fallu tout apprendre sur le temps en faisant des choses. Moi, la deuxième année, je pense que je réalise 6 demi-heures dramatiques et j'en écris 8. Alors que je connaissais rien avant. Je connaissais rien en dramaturgie, rien en cinématographie. Ma génération, on a eu une chance inouïe de déboucher là-dedans puis de s'inventer notre cinéma. En même temps, il y avait le bagage de connaissances qui était là, des techniciens sur place qui avaient mais très vite, il a fallu se battre contre eux. C'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme producteur les 2, 3 ou 4 premières années un monsieur qui s'appelait Guy Glover, qui était un anglophone. Mm-hmm. C'était le compagnon de vie de Norman McLaren, qui parlait un excellent français, puis qui avait une grande connaissance de l'écriture dramatique. Puis c'est lui qui nous a montré des choses. Si on soumettait un scénario, il disait, écoute, là, t'as 14, ça arrive à la troisième minute, puis t'as encore 35 minutes de film à faire, ça marche pas, là, tu sais. Fait que là, ils nous apprenaient énormément, puis on faisait sur le temps, on expérimentait. Et ça est arrivé au moment où se passait la Révolution tranquille au Québec. Mm-hmm. Fait qu'il y a une connexion qui s'est faite entre notre génération de jeunes cinéastes puis notre public. Nos films sortaient, puis ça avait de l'impact tout de suite, puis on avait de la popularité, puis on le sentait. Puis, tu sais, l'alimentation mutuelle, là, tu sais, de la Révolution tranquille, puis notre équipe de cinéastes, ça se nourrissait, fait que c'était des très belles années, c'était des années de grande liberté, alors qu'on sortait de la contrainte du cléricalisme de l'époque de Duplessis. Fait qu'il y avait cette volonté-là de se libérer des contraintes à l'ONF. À l'ONF, c'était bizarre, vois-tu. L'ONF était beaucoup à la remorque du cinéma américain. Le directeur du département de la caméra, le service technique caméra, qui s'appelait Dennis Gilson, on l'appelait Gobo Gilson, parce qu'il nous enseignait, il enseignait au directeur photo qui allait là, à travailler comme les musées américains. C'est-à-dire qu'on mettait un éclairage très fort, puis ensuite on mettait des écrans, des gobos, pour tamiser puis créer une atmosphère qui ressemblait à celle des longs-métrages d'Hollywood à l'époque. Très vite, les caméramans, pas seulement les francophones, les caméramans anglophones aussi, se sont révoltés contre ça, toute cette génération-là. On n'avait pas tout à fait les outils pour le faire. Moi, quand je suis arrivé à l'office du film, le premier film que j'ai fait, là, l'enregistrement puis du son, en parallèle avec l'image, c'était un grand problème. Ouais. Fait qu'on avait des pellicules sur lesquelles il y avait une bande qui permettait d'enregistrer le son en parallèle
okay. avec l'image. Oui. Mais ça, il y avait un décalage de 28 images, en même temps que je m'appelle 28 ou 24 images, entre cette lecture-là puis la lecture de l'image. De sorte que quand on apporte à quelqu'un, si je t'interviewais, par exemple, je t'aurais dit, commence à jouer l'élève avant que okay. je te réponde pour que ça rattrape le décalage. Okay. Puis l'instrumentation, l'enregistrement, c'était énorme. Là. Trois grosses caisses qu'on mettait ça. Puis... Fait qu'on était à la recherche d'une technologie plus libre, plus souple. Puis il y avait un mouvement de révolte qui se développait à l'intérieur des services techniques. Les jeunes techniciens comme Michel Beau ou anglophones comme Terence McCartney Faraday, ils cherchaient d'autres choses. Puis est arrivé tout à coup de Londres un petit film qui s'appelait Mama Don't Allow. Qui okay. était fait par Tony Richardson, okay. qui est un héritier du free cinéma ouais, en Angleterre. Et ça a été une révélation. Okay. Maman Don't Allow, c'est un film d'une demi-heure qui raconte comment des jeunes Anglais passent une soirée le samedi là, dans un pub. Okay. Ils avaient tourné ça avec un des caméras qui n'était pas synchrone avec le son. Ils avaient tourné ça avec une petite réflexe. Sans blime, qu'on appelle, protecteur pour insonoriser. Ouais. Puis avec un son libre qui ne tournait pas à la même vitesse. Mais ils avaient raboudiné le son avec l'image pour essayer de donner un peu de synchronicité à ça. Puis le film était intéressant, mais nous autres, on n'en revenait pas parce que ces caméras-là, on les connaissait, on s'en servait pour faire de l'image, c'était léger et tout. Mais ça faisait longtemps qu'on se faisait dire « Utilise pas ça quand tu tournes une séquence sonore parce que la caméra fait trop de bruit. » OK. Alors, c'est Michel Beau avec Marcel Carrière qui ont tourné « Les racketeurs » qui, la première fois, ont fait comme Tony Richardson avait fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont tourné « Les racketeurs » avec une caméra réflexe sans protection sonore. OK. Puis, ils ont une enregistreuse, puis qui ont mis le son ensemble par la suite. En corrigeant les décalages au montage. OK. Puis ça, c'est apparu comme une révélation. On s'est mis à chercher, je parle de toute l'équipe, l'anglophone, francophone, à l'ONF, tout le monde cherchait de l'équipement léger où on pourrait synchroniser le son et l'image. Mm-hmm. Ce que ta caméra iPhone a fait sans y penser aujourd'hui. Et le service technique de l'office du film a même travaillé à essayer d'inventer une caméra pour ça. Ah oui? Mais finalement, la réflexe est arrivée avant qu'ils aient terminé, puis ensuite la caméra éclair, qui, eux, s'étaient attaqués au même problème, puis l'avaient résolu. Okay. La réflexe qui arrivait, puis plus tard l'éclair était supérieur, la caméra éclair, permettait d'enregistrer sans faire de bruit, puis permettait un synchronisme avec le son, mais à l'aide d'un câble qui s'appelait le pilotone. Et on a tourné plusieurs années avec ces choses-là. Mais à ce puis moment-là, on cherchait à libérer, mais je ne sais pas si... On cherchait quand même à se libérer du câble. OK. Et puis ça, c'est une invention qui est arrivée de l'extérieur aussi, je ne sais pas d'où elle venait, mais de synchroniser le mouvement et la caméra et le mouvement de l'enregistreur sonore sur un cristal dont la fréquence est toujours stable. Alors, grâce à ça, on a pu séparer enfin l'image et le son. OK. Avoir des appareils très légers qui permettaient d'aider le monde. Plus de flexibilité. Ouais. Puis là-dessus, c'est greffé une esthétique. Ouais. C'est-à-dire que l'esthétique est née de l'expérience des réalisateurs, surtout des directeurs photos. Michel Beau disait, par exemple, je préfère tourner avec une 9 mm qu'avec une 50 mm parce que la 9 mm m'oblige à être près de la personne puis d'entrer en relation avec elle. Je ne peux pas juste capturer son image de loin sans qu'elle le sache. Ouais. Ça me disait, je ne sais pas de tourner avec des téléphotos si on voulait, mais on avait cette esthétique-là de s'approcher des gens. De se faire accepter des gens aussi. Ouais. Puis il y avait un changement, une révolution semblable qui s'est faite au niveau de la conception des choses. Tu sais. Dans l'ancienne technique de l'office du film, si je faisais un documentaire sur, mettons, les Acadiens qui construisent des digues contre la mer, là, tu sais, ouais. Ben à ce moment-là, j'allais faire ma recherche,
Puis je créais des personnages, puis j'écrivais le dialogue. Puis après ça, je demandais aux gens de jouer ce dialogue-là. Ouais. C'est ça qu'a fait... comment il s'appelait? Pour le film Les Aboiteaux, là, ouais, pour Garceau. Les Aboiteaux, Garceau. Non, c'est pas Garceau, Garceau c'est... Ouais. Non, m'échappe, mais il va revenir. Léonard Forêt. Ah oui. Qui a fait Les Aboiteaux, puis c'est ça, tu vois ça, là, tu vois les personnages réels répétés du ouais. script. Il y a quelque chose de... Tout à coup, nous autres, on dirait qu'on n'avait plus besoin de faire ça. Puis ça créait une révolution budgétaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait des films de bien meilleur marché avec ça, parce que tout le long processus, il n'y avait pas besoin de ça, il n'y avait pas besoin de la lourde technique, là, on n'avait pas besoin de traîner des arcs en tournage, puis des générateurs, puis des choses comme ça. C'est de ça qu'est né le cinéma direct. Mais si je reviens juste un petit peu en arrière à ce moment-là, par rapport aux caméras, je sais que pour le film Les Racketeurs, on est encore en 35 mm à ce moment-là. C'était en 16, en 16. OK. Donc, il a quand même fallu faire le passage du 35 au 16. On tournait pas beaucoup en 35. Non? Dès que je suis entré, on tournait en 16. OK. On tournait beaucoup avec des caméras qui s'appelaient des Oricon. OK. C'était en 16 mm, mais avec des bobines d'une demi-heure. Là, tu sais, quand okay. on est passé à des caméras plus flexibles, on avait des bobines de 10 minutes. Okay. Puis est arrivé aussi, ça a été très souverainement important, ça, c'est le développement des pellicules ouais. ultra-sensibles. Quand j'arrive à l'ONF, il faut beaucoup éclairer encore parce que la pellicule n'est pas très sensible. Ça prend beaucoup d'éclairage pour l'éclairer. Ouais. Mais ces années-là, en 2-3 ans, il nous arrive des pellicules comme ça s'appelait donc, qui était à 400 mm, à 400 RSA, tu sais, des pellicules très sensibles, qui marchaient avec tout ça. Fait qu'on invente une technologie qui devait s'inventer de toute façon, mais c'est à l'ONF que ça s'est fait. Le reste, par ailleurs dans le monde, on venait par la suite à l'ONF pour trouver comment ça se fonctionnait. Puis pendant cette période-là, assez fertile en expérimentation, en développement de ça, vous êtes producteur. Pas encore. Je suis réalisateur pendant plusieurs années. Okay. Je fais beaucoup, beaucoup de production. J'écris beaucoup. Je fais des tonnes d'émissions dramatiques pour la télévision, des petites séries, là, tu sais, comme le maître du PO, par exemple, en est une, des trucs comme ça. J'ai tourné un scénario que j'avais fait qui s'appelait Les Ménettes. Les Ménettes, oui. On en a fait, ça. On a fait en fait 3-4 ans, là, tu sais. OK. Mais c'est en 62 que vous arrivez à la production? J'arrive à la production en 60. Ça se passe de manière suivante. Moi, en 59, j'obtiens une bourse du Conseil des arts pour aller me perfectionner en cinéma à Paris. Oui. Et puis j'ai déjà des enfants, je m'en vais. Je m'en vais passer une année à Paris. Et puis, il faut t'expliquer quelque chose avant. C'est que quand on scénarisait, là, on avait une formule, il fallait scénariser sur 5 colonnes. OK. Tu écrivais le numéro de lentille, description du plan, le dialogue, la musique, les effets spéciaux, puis le décor, je ne sais plus quoi. Puis ça, on écrivait ça en français. C'était traduit en anglais par une secrétaire, puis c'était envoyé au directeur de la production qui le commentait. OK. Puis il commentait en anglais. Moi, je me rappelle, une des premières choses que j'ai faites, là, j'avais marqué que je voulais tourner avec une 25 mm. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu sais. Puis il avait écrit dans son commentaire en anglais, This doesn't give me hard on, tu sais, ça ne peut pas bander. Why don't you use a 50 mm, tu sais? C'était absurde aussi, il ne connaissait pas les lieux, tu sais. Fait qu'on veut se libérer de ça, nous autres, de cette obligation-là. Ouais. À la fois de l'obligation d'être lu puis jugé par un anglophone, mais l'obligation du cinq colonnes puis de tout ça. Le producteur venait en tournage puis surveillait si on tournait bien avec le 25 mm tel que dit l'esprit. OK. Puis il y avait un budget qui était fait qui disait qu'on avait 1h30 pour tourner tel plan. À 1h31, il se mettait à siffler pour dire que c'était très rigide. Fini, là, on va tout faire éclater ça. Ce qu'on réussit à faire. Et quand je pars, moi, pour Paris, je suis quand même animé d'une espèce de sentiment de révolte, là, tu sais. J'ai de la misère, j'ai écrit assez de scénarisation pour commencer à vouloir écrire quelque chose qui soit personnel pour moi. Okay. Avant ça, je traitais des sujets. Le maître du Pérou, c'est... J'ai dramatisé la mise en marché de la pomme de terre, tu sais, c'était pas comique. C'est des trucs de commande, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et j'avais une bourse au Conseil des arts, puis j'avais un contrat de l'Office du film aussi.
pour scénariser. Puis je découvre que j'ai énormément de difficultés à écrire. Parce que j'ai toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière moi qui lit ce que je suis en train de faire, puis qui le juge, puis qui le critique. T'sais, pour moi, c'est Don Mulholland, le directeur de production. Alors, quand je reviens d'Europe, là, je saute par-dessus des détails qui sont moins pertinents pour ce qu'on est en train de dire, mais moi, je suis révolté. Puis ouais. Un des objectifs que je m'étais donné, c'est que je vais devenir producteur, puis je vais faire la lutte pour libérer les équipes françaises, hein, de plusieurs, de ce carcan-là. C'est qu'en rentrant d'Europe, je demande une rencontre avec le directeur de la production qui avait été changé. C'était un monsieur Norman McLaren. McLean qui avait été nommé directeur de la production. Et je vais le voir, j'ai un rendez-vous avec lui, puis je dis I want to be a producer for one of the French units. I want you to. Je vais être producteur pour une des équipes de, françaises. Mm. Puis je veux que tu me donnes le droit d'approuver le scénario puis la copie finale de montage. Parce que normalement, ça lui était réservé, ça. Puis pareil, ils disaient, you've got quite a go, t'es pas mal prétentieux. Mais ça tombe bien, on pensait te nommer producteur. Fait qu'il m'a nommé producteur, de même que trois autres. Tout à coup, l'équipe française est devenue quatre équipes. T'sais, une équipe de ceux qui faisaient les versions anglophones ou francophones avec Jacques Bobet, puis il y avait trois équipes de production. Je suis devenu producteur, puis je suis entré dans cette bataille-là. C'était la bataille de... Il m'avait dit dans... McLean, il m'avait dit, je te donne ça, le droit d'approuver le scénario, puis la copie finale de montage, pour 8 mois. Okay. Puis dans 8 mois, on se revoit, puis si t'as manqué, si ça marche pas... Hein. Fait que j'ai fait cette bataille-là. Et il est arrivé, un drôle de circonstance, ce qui est arrivé, c'est que les deux autres personnes qui avaient été nommées producteurs avec moi, qui avaient chacune leur équipe, ont préféré retourner à la réalisation. Tout à coup, je me suis trouvé le seul producteur de langue française. Puis on a réunifié l'équipe française. Alors, okay. Il y avait Bobet qui faisait les traductions, puis moi, je faisais le reste de la production. C'est à ce moment-là que la grande révolution technique éclatait. Là, mm-hmm. Je me suis trouvé à piloter ça. Mm-hmm. Puis ça voulait dire des choses très concrètes. Comme... À un moment donné, Michel Beau, qui était au service de la caméra, camera department, se fait congédier. Il se fait congédier à cause d'un plan que Jutra lui avait demandé. Jutra venait de faire un film que je produisais sur Félix Leclerc. Puis Jutra lui avait demandé un plan... qu'on peut voir dans le film, là, qui est sur la rivière, avec des cristaux qui apparaissent à l'écran à cause des reflets de lumière sur la glace. Ouais, ouais. Et Dennis Gilson avait congédié Bro là-dessus. Pour un plan. Pour un plan. Parce qu'il avait enseigné à Beau qu'il ne fallait pas faire ça. Ouais, ouais, ouais. Même si Beau disait, mais c'est juste toi qui me l'as demandé. Fait que Bro est congédié l'après-midi. Le lendemain matin, moi, je le réengage à l'équipe française comme réalisateur. OK. Parce que c'était mon chum, puis on se connaissait, puis c'était le film que je produisais. Alors, Dennis Gilson, le directeur de la caméra department, réclame une rencontre avec le commissaire pour protester que je minais son autorité. Puis que... Fait qu'on a une rencontre avec le commissaire, puis M. Robert, finalement, me donne raison. Il me laisse embaucher Beau comme réalisateur. Fait que le combat, c'était un peu ça. Là, ouais, le combat pour l'introduction des pellicules ultra-sensibles aussi, comme le service technique de la MNF ne voulait pas entendre parler de ça. Puis moi, je les ai imposés. Fait qu'il y a un militant pour le changement qui s'installe au niveau de la direction. Même si c'est pas mon esthétique, on va revenir plus tard après, mais je voyais que la vie était là, puis c'était mes chums, puis toute l'effervescence marchait comme ça. Alors, on s'est lancé là-dedans, puis on s'est mis à faire toutes sortes de films. Moi, j'ai produit beaucoup de films, puis Bobet en a produit aussi, dans lequel il y a tout ce mouvement-là. Puis il y a aussi, bon, si je fais un peu un petit saut, mais par rapport à l'arrivée de Pierre Perrault qui arrive dans votre équipe. C'est Radio-Canada qui était l'initiateur du projet. Perrault avait écrit pour des téléromans, pas des téléthéâtres pour Radio-Canada. Oui. Puis il venait de faire, dans une compagnie privée à Ottawa, 15 films assez estimables, tu sais, sur la Nouvelle-France. Oui. Alors, il soumet le projet de
faire un long métrage, j'allais l'eau coude. Puis Radio-Canada propose à l'ONF qu'eux, ils vont en financer une partie, que l'ONF va financer l'autre, et qu'on va se partager les responsabilités. Alors, ça devait être un réalisateur de Radio-Canada, ça devait être la caméra de Michel Beau. Okay. Et puis, je me souviens plutôt comment étaient réparties les choses. Puis moi, on me convoque à l'ONF pour me dire, ben, c'est ton unité qui va prendre soin de ça. Je regarde ça, puis toi, t'es en pleine révolution du direct. Perrault me soumet un scénario. Ouais. Il avait écrit un scénario sur lequel il racontait l'histoire d'une fille de l'île aux coudes qui était assez malheureuse parce qu'elle était venue vivre à Montréal puis retournait à l'île aux coudes. Okay. Puis tu sais, ça devait être réalisé par Paul Blouin, c'est ça, de Radio-Canada. Pas d'allure, Pierre. On n'est pas là-dedans. Pas du tout comme ça. Puis c'est pas comme ça que Beau va te servir le mieux. Fait que j'ai proposé. Je me souviens plus si je suis allé chercher une autorisation, si c'est moi qui l'ai fait, là, mais j'ai proposé un contrat dans lequel il partagerait une réalisation avec Michel. Okay. Et puis dans lequel il commencerait par aller faire enquête à l'île aux coudes pour voir qu'est-ce qui peut sortir de l'île aux coudes plutôt que suivre le scénario. Puis Perrault a accepté. Il n'était pas trop content à l'époque, mais tu sais. Okay. Puis il a découvert le direct, ouais. Ce qu'il ne connaissait pas. C'est ça. Puis ça a été un émerveillement pour lui. Puis il faut que je lui rende l'hommage qu'il s'est converti rapidement à ça. Et ils ont fait une équipe avec Marcel Carrière, dont le rôle est très important pour la suite du monde. Mm-hmm. Ils ont fait une équipe vraiment productive. Fait qu'il s'est fait quelques mois de recherche. Parfois, c'était une recherche accompagnée d'une caméra. Puis finalement, le projet de la chasse aux marsouins est apparu. Et puis tout s'est organisé autour de ça. Mais il n'y a jamais eu de scénario pour la suite du monde. Il y a eu une piste, là, on travaille sur la quête du marsouin, etc. Puis aujourd'hui, moi, quand je revois le film, c'est une perception qui est arrivée plus tard, mais je me rends compte un peu plus clairement de l'apport de chacun. Il y a un caractère ludique dans Pour la suite du monde, là, tout le jeu des personnages, puis ça, mm-hmm. ça vient bien plus de Michel Beau que de, okay. que de Pierre, parce que Pierre, il n'y a pas ça dans le reste de ses films, tu sais. Mais par contre, tout le fondement, l'amour de la Nouvelle-France, tout le fondement de l'admiration qu'il y avait pour les gens, ça, c'est du Perrault pur. Mm-hmm. Puis Carrière joue un rôle très important, lui, là-dedans, parce que à la fois, c'est un facilitateur, puis il permet au son de suivre ce mouvement-là, ce que le son ne pouvait pas faire à l'époque. Tu sais. Il invente beaucoup, beaucoup de choses pour arriver à avoir un son flexible qui s'adapte à ce qui se passe plutôt que de l'encadrer. Donc, Marcel Carrière qui... Qui a inventé beaucoup, beaucoup de choses. Là. C'est lui qui a inventé une micro-radio. Il tournait un film sur Stravinsky. C'est-à-dire, il était le preneur de son pour un réalisateur anglophone qui tournait un film sur Stravinsky. Puis il voulait... Il y avait un plan extérieur sur un trottoir à Toronto dans lequel il accompagnait Stravinsky. Puis il voulait le son, Marcel. Mais Stravinsky se laissait pas enchaîner par des câbles qui le suivaient. Tout ça. Fait que Marcel est allé... dans un magasin de jouets, il a acheté un petit module, tu sais, les radios qui font circuler les petites autos, là. OK. Il a bricolé son micro à cette petite radio-là. OK. Et puis, grâce à ça, il y avait une certaine distance, une vingtaine de pieds qu'il pouvait essayer une vingtaine de pieds de Stravinsky, il recevait le son puis il pouvait l'enregistrer. OK. Et c'est de là qu'est née l'invention du micro-radio. OK. Qu'on porte aujourd'hui. Là, on a parlé de la révolution du direct, de son esprit, puis de la technique qui est arrivée. Ouais. Ça s'est beaucoup développé grâce, à un moment donné, à l'influence des Français. Ouais. C'est-à-dire que Michel est allé travailler avec Jean Rouch à Paris sur Chronique d'un été, un film que Rouch faisait. Mm-hmm. Rouch était venu le chercher parce qu'il en a dû parler de... Il avait vu les racketeurs, en fait. Ouais, puis c'est comment Michel travaillait. Mm. Mais il y a une influence en retour, tu sais, ouais. C'est-à-dire que la pensée de Rouch puis de quelques Français s'est mis. C'est là qu'on a pris conscience qu'on était en train de créer un cinéma, tout à coup, un genre particulier en cinéma. Avant ça, on n'avait comme pas conscience. Mm-hmm. Puis il y a eu tout un débat, les gens voulaient appeler ça le cinéma vérité, on a dit non, c'est pas ça, c'est pas ce que Vertov voulait faire en URSS. Là. Ouais. On fait du cinéma direct, c'est comme ça que ça s'est appelé, puis il y a une idéologie qui s'est construite autour de ça. J'ai lu Pierre Perrault qui écrivait
en quelque part, que c'est vous, en fait, qui avez fait rencontrer Jean Rouch ou découvrir ouais. Jean Rouch. Donc, des fois, il y a la part du producteur qui vient changer, brasser les cartes, puis changer J'ai compris ça plus tard. Moi, j'étais ce qu'on appelle un gatekeeper, c'est-à-dire j'étais comme un gardien de frontières. Ma fonction réelle, là, c'était de faire le lien entre la direction puis les créateurs. OK. Et puis, de permettre le flot des idées là-dessus. Puis c'est un métier très difficile, pour moi, pour n'importe qui fonctionne ça, parce qu'il faut que tu gardes l'adhésion des cinéastes qui t'apportent des beaux projets, puis ouais. confiance. Puis en même temps, il faut que tu gardes la confiance des, ouais, sinon... de la direction qui ne veut pas se retrouver avec des problèmes, qu'on a eu des problèmes. Mm-hmm. Saint-Henri, par contre, par exemple, ça a créé un beau problème qu'on pourrait te okay. raconter. Mais j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis je me suis usé. À la fin des 4 ans, là, j'avais perdu la confiance et des cinéastes et de la direction. Okay. C'est là que j'ai compris que j'étais un gatekeeper. C'était Tom Daly, un producteur anglophone à qui était un copain et qui je me confiais, qui m'avait dit, je disais, ça marche plus. Là, ça. Mais il d'absorber des deux côtés. Il dit, tu peux plus faire le tampon, tu as usé ton capital des deux côtés. J'ai quitté la production à ce moment-là. J'ai demandé d'être relevé et de redevenir réalisateur. Puis c'est là que vous arrivez avec... Au Festin des morts. Festin des morts, donc une œuvre qui contraste énormément avec ce qui s'est à l'époque. On était quelques-uns à l'ONF, dans la forêt, puis d'autres, être plus des littéraires, je dirais, que des... Il y a beaucoup de cinéastes qui arrivaient des arts plastiques. Nous autres, on était plus... Okay. Dans la poésie, dans l'écriture. Puis à travers les années, j'avais piloté la révolution du direct, mais mon esthétique à moi restait plus. J'étais très admiratif des cinéastes japonais. Tu sais, Kurosawa, Nagasawa, deux, trois. Là. J'admirais ce qu'ils faisaient avec toute l'histoire de samouraï, puis l'esthétique qu'elle avait avec, là, tu sais, avec les grands mouvements de caméra très longs, très ouais. organisés. Très placés. Juste comme ça, avant d'entendre continuer, vous avez découvert ces cinéastes-là de quelle façon? On les découvrait tout le monde à Montréal. Il y arrivait le Rashomon, puis tout ça, tu sais, okay. ça sortait d'un salle. Ces années-là, le cinéma japonais débarquait ici. Okay. Les autres ont été particulièrement attentifs. Moi, en tout cas... Mais c'était nouveau que ça arrivait ici. C'était nouveau. C'était une esthétique nouvelle. Ouais. Fait que je suis sorti de la production, puis je me cherchais un projet comme réalisateur. Puis un jour, une dame que je connaissais bien, qui s'appelait Alexandra Pelletier, Alec Pelletier, qui m'arrive avec un scénario sur les missionnaires jésuites en Nouvelle-France en 1600, au 17e siècle. Puis ma première réaction, c'était une réaction de rejet, parce que là, on était en pleine libération du cléricalisme, tout ça, je ne voyais pas ça. Mais après ça, je me dis, coudonc, c'est une nuit, je pense à ça, puis je me dis, mais... héros historiques, moi, là. Alors que c'est pour les Japonais, c'est les guerriers, tout ça. Et nous autres, c'était les samouraïs. Nous autres, c'est Christophe Colomb, c'est Jacques Cartier, c'est les Jésuites qui s'en vont Yoni, c'est de l'art des Ormeaux. Il faudrait que je fasse un film là-dessus. Puis là, j'ai réfléchi à ça, puis je dis à Alec, il faudrait travailler le scénario, mais on pourrait peut-être entreprendre de créer ces personnages-là avec une esthétique proche des Japonais. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis, malgré les difficultés qui m'avaient amené à quitter la production, j'avais quand même encore un bon bagage d'influence. Fait que j'ai réussi à vendre ça assez facilement à la direction de l'ONF. Puis à faire attacher un budget considérable à l'époque à ce projet-là. Un budget de 334 000 ou quelque chose comme ça. Et puis... on a entrepris de faire le Festin des morts, comme ça. Avec toute la bonne foi, puis la naïveté, puis la recherche esthétique qu'on pouvait avoir à l'époque. Tous les personnages amérindiens sont joués par des Blancs. On n'avait pas du tout cette sensibilité-là qui s'impose aujourd'hui. Oui. Avec le recul... Avec quasiment en alexandrin, tu sais.
quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est incroyable. Tu sais, mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pas qu'on a fait ça avec beaucoup de cerveau. On est dans un univers assez fantastique, assez onirique, Ouais. mais en même temps ancré dans le réel, mais ça reste le point de vue des jésuites Ouais. sur cette situation-là. Ça raconte l'introspection d'un C'est jésuite ça. qui se rend compte que ça n'a pas d'allure ce qu'ils sont en train de faire. Puis moi, j'étais fasciné par toute l'archéologie amérindienne, tout ce qu'on savait sur la construction des villages, sur le costume, etc. On avait consulté des grands archéologues là, de l'Ontario, le Dr. Jury en particulier, pour nous aider à concevoir l'esthétique de ce film-là, puis la construction du village, puis les costumes et tout. C'est ça, tout le village a été construit Ouais, en respectant c'est ça. les connaissances Les savoirs de de l'époque. l'époque. Puis je me rappelle qu'il y a toute la question des maquillages, tu sais. Comment est-ce qu'on allait... On savait que les Amérindiens se maquillaient, mais comment on allait maquiller? François Barbeau, qui était mon directeur de costume, tu sais, m'a dit, écoute, Fernand, on ne saurait jamais comment ça faisait, mais il dit, on peut voir comment les Noirs se maquillent en Afrique, tu sais. C'est quoi les règles du maquillage? OK. Il dit, présumément... Les Amérindiens devaient avoir des règles un peu semblables. Fait que là, on s'est mis à inventer des maquillages de OK. face, de faciaux. C'est surtout François Barbeau qui faisait ça, OK, en donc il y a une grande disant, liberté faut qui est. exprimer telle émotion, telle chose dans le visage, puis il inventait ça. OK. Fait que c'était une période encore de création absolument intense, fascinante. Puis c'était un projet qui était ambitieux, ça n'a pas de bon sens. Là, mais moi, j'avais toute mon énergie de jeune homme. Je voulais m'installer comme cinéaste international avec ça. OK. Ça fait qu'il y avait vraiment Toute des mon ambitions de mettre énergie une était là. base. Peut-être par rapport à ça, au niveau de la, ben, au niveau de l'approche esthétique, donc on est Je me suis mis extrêmement à faire loin un du découpage direct. technique très, très précis, Oui. très détaillé. Que j'ai consulté à la Ah Cinémathèque, ouais? en fait, puis j'ai bien aimé la petite mention qui est indiquée dans le dépôt. C'était marqué que quelque chose, je paraphrase, mais à quel point le découpage technique pourra peut-être éventuellement intéresser des rats de Cinémathèque. Donc, j'ai aimé C'est pas, mais je qu'on me me parle à rappelle moi. que j'avais travaillé ça. On travaillait quand même beaucoup en collaboration. J'avais travaillé ça avec mon directeur photo, qui était Georges Dufault, tu sais, on avait fait après le scénario. Mais avant ça, on avait travaillé le scénario avec tous les. J'avais. Quand Alec et moi, on avait accouché, surtout Alec, qui avait travaillé sur Madman, tu sais, dans un scénario qu'on considérait à peu près final, on a réuni une équipe dans laquelle il y avait le directeur photo. Il y avait le musicien, il y avait le production manager, c'est Marcel Malekette, le gars qui était à la fois chef décorateur, puis négociateur de tous les contrats, puis tout. Et puis François Barbeau, directeur des costumes. Et puis on a revu les scénarios ensemble, comme ça. Puis à un moment donné, il y avait des changements à la suggestion des autres, comme Maurice Blackburn. Il avait dit à un moment donné, écoute, la scène ici du cimetière, là, je pourrais probablement développer tout un mouvement musical si tu lui donnais une minute et demie de plus. OK. Parce que c'était un scénario qui était mesuré en temps. Fait que là, on avait comme inventé de quoi remplir à l'image cette minute et demie. Puis Maurice a écrit sa partition comme ça, puis on l'a tournée comme ça. La scène est dans le film. Et c'était un peu comme ça qu'on avait travaillé. Fait qu'on est arrivé au tournage avec une grande fièvre, tout le monde, une grande unité aussi d'ambition. Puis Je vais peut-être vous arrêter on pourrait regarder l'extrait dont vous venez juste Ah, de parler, en fait, OK. sur Ouais. cette scène-là qui a OK. été ajoutée grâce À la à la musique. discussion avec le compositeur, du D'accord. film.
Cela ne sert de rien à une âme qui va au ciel. Et nous, à quoi veux-tu que cela nous serve? Tous ces objets étaient à lui durant sa vie. Tu ne comprends pas. Ces choses ont perdu leur usage à la mort de notre ami. Laisse-nous agir selon nos coutumes. Tu vois très bien, c'est la création musicale est justifiée par la scène. Donc, ce serait le début qui serait justement. Oui, qui commence. Et puis ensuite, tu vois aussi l'esthétique à la remorque des Japonais. Ouais. C'était beaucoup de travail sur chacun de ces plans-là, éclairer l'hiver, juste cette image-là de la jeune femme. La complication de tourner un film, c'est beaucoup tourné la nuit, donc il y a des... Ouais, la nuit, puis on était une équipe de 12 pour faire ça, alors qu'aujourd'hui, c'est une équipe de 60 personnes, c'est une petite équipe, tu sais. Puis on inventait tout. C'était des métiers qui n'existaient pas. François Barbeau n'a jamais fait de costume pour le cinéma. Au niveau de la... de la réalisation, il y a beaucoup de mouvements dans ce film-là, il y a beaucoup de déplacements très, très, très prévus. Donc, on est encore là. Le déplacement était à la base du cinéma direct, mais on était caméra à l'épaule. Là, on est une caméra. Non, la caméra sur rail, puis c'était compliqué. On n'avait pas les belles rails d'aujourd'hui. Là, c'était long installer des rails pour un mouvement de caméra. Puis on est en extérieur. On est en extérieur l'hiver. On est l'hiver. Donc... Mais on avait le luxe de 12 semaines de tournage. Ça fait que c'était. Nouvelle temps. Puis au début de l'extrait qu'on a vu, on voit l'intérieur de la cabane aussi. Ouais, donc, c'est ça. Je ne sais pas comment l'appeler, mais. C'est un chef amérindien. Donc. C'est là que le docteur Jury, dans Toronto, était venu nous conseiller sur l'érection des cabanes du village, puis tout le décor. Oui, mais en fait, j'aimerais ça revenir sur un élément par rapport à l'expérimentation du direct. Bon, par rapport à la relation entre caméra et son, vous avez parlé de cette idée de synchronisation-là avec le câble qui reliait la caméra et le son, mais en même temps, oui, j'imagine que cette volonté-là de s'affranchir de ce câble-là qui est à la fois un obstacle parce que ça empêche certaines choses, mais ça aussi oblige à faire certaines choses qui a... peut-être à la base de mieux réfléchir ou de mieux aller ensemble vers un projet. De développer une grande complicité. Ouais. Le direct libérant non seulement la technique, mais ça libère aussi l'esprit. Tu sais, tu t'en vas pas tourner un scénario, tu vas tourner ce qui se passe pour vrai. Ouais. Tu l'enregistres. Fait qu'il faut qu'il y ait une espèce de complicité qui se développe dans toute l'équipe, mais surtout entre le directeur photo et le preneur de son, pour dire... Je tourne ci, je tourne ça, je néglige telle chose. Tout en économisant aussi la pellicule. C'est ça, puis il faut qu'il y ait une espèce...
Toi, carrière, au son, puis Beau à la caméra, ils avaient cette synchronicité-là. Tu sais, à un moment donné, c'est un événement, Beau décidait que c'est ça qui tourne plutôt que t'as l'affaire qui se passe. Il faut suivre. Carrière, il y allait, puis il développait une complicité. Des fois, c'est carrière qui amenait la caméra de ça. Mm. C'était des co-créateurs de l'enregistrement, là, tu sais. Mm-hmm. C'est l'époque où les films étaient signés par une, deux, trois personnes, des fois. Donc, il y avait cet esprit collaboratif. En tout cas, je me souviens, ça ne s'est pas développé beaucoup. Non? OK. Il y avait en général un réalisateur qu'on identifiait. Tu sais, okay. Il y avait des personnalités. C'était pas toujours l'harmonie dans l'équipe française. Ouais, il y a eu des grosses chicanes, des grosses rivalités, puis des grosses compétitions. Mm-hmm. Gilles Gros était un maître absolu sur ses plateaux de tournage. Okay. Il n'était pas question que personne conteste ce qu'il voulait faire et ce qu'il décidait. D'autres étaient plus flexibles, prenaient plus la vie de l'équipe technique. Okay. Il y avait des rivalités en termes d'ambition aussi, beaucoup. Tu sais. Mm-hmm. Tout le monde rêvait de devenir un grand réalisateur international. Alors. Puis sur le plan politique aussi, il y avait des points de vue différents, donc j'ai l'impression pas que... beaucoup. Non, pas tant que ça. On était assez unifiés dans la lutte contre le contrôle anglophone de l'institution. Ah, oui. Mais sur le plan politique, là, par rapport à la politique extérieure, on était tous dans le mouvement du cinéma de la Révolution tranquille. Et puis, okay. On était tous très contents de l'élection de Lesage quand c'est arrivé, par la suite l'élection du PQ. Okay. Donc, quand le direct arrive, ça bouscule les pratiques qui se faisaient jusque-là. Ça commence à s'installer tranquillement. J'ai l'impression que le direct devient une espèce de nouvelle norme, si je peux me permettre de parler de norme. Quand vous arrivez avec le film Les Festins des Morts, rupture complète avec ça. Donc, il y a aussi probablement au niveau un gros choc, la technique. C'est sûr que quand je suis allé chercher un gros budget, je réalisais, je sortais d'une job où à la fin j'étais détesté. J'étais pas le plus populaire des personnages à l'ONF, là, okay. À l'époque. Et puis quand je fais le Festin des Morts, je suis dans une esthétique qui est à l'opposé là, complètement du cinéma direct. Il y a plein de raisons pour lesquelles mes camarades de l'époque, tout à coup, me trouvent moins parlable. Okay. Et je souffre beaucoup de ça à un moment donné, je sens que... Puis, quand le Festin des Morts sort, il y a une espèce de bataille d'Hernani autour de ça. Là. Je reçois un bon nombre de critiques très élogieuses, mais je reçois un rejet là, considérable de la part des autres cinéastes, puis du milieu artistique en général, l'Union des comédiens. Fait que pour moi, c'est une période très, très pénible. Là. Je m'en doutais de ma vocation de cinéaste. Puis à l'office du film, on n'est pas très gentil pour moi à cette époque-là. Le directeur de production qui m'avait succédé m'a fait venir un après-midi. Puis il me dit, écoute, Fernand, c'est évident que tu as rendu beaucoup, beaucoup de services à l'institution, tout ça. Puis à cause de ça, on a de l'estime pour toi, puis on va pas te placer en mauvaise situation. Mais si tu veux, on va convenir entre toi et moi que tu n'as pas beaucoup de talent pour le cinéma. Fait qu'il dit, okay. Disons qu'on te donne un an, puis un film à faire, puis après ça, tu quitteras, tu retourneras au journalisme. Ah oui. Puis moi, j'accueille ça comme quasiment de la vérité, tu sais. Et le film qu'on me donne à faire, c'est pas le temps des romans. C'est-à-dire que c'est un petit film que j'avais proposé, là. Une espèce de trilogie qu'on faisait à trois cinéastes, chacun une demi-heure dramatique. Puis ce film-là, je le tourne avec beaucoup, beaucoup de liberté, parce que j'ai plus d'espoir. Ben, c'est tu sais, je tourne mon dernier film, je suis convaincu. Okay. Je vais le monter moi-même, puis quand la pellicule déchire sur la table de montage, je la reboutine, je la rapièce pas, tu sais, je fais un saut, je passe à d'autres choses. Okay. Le film sort, puis il gagne le premier prix au festival en France, je me souviens plus lequel. Puis j'avais des amis quand même, il y en a qui sont occupés de me débandre à l'école de l'office du film, tu sais. C'est un bel beau pied de nez, en fait. Fait que là, il n'y a plus personne qui s'est même parlé de devoir quitter. OK. Mais je suis resté comme blessé un petit peu par l'échec du Festin des Morts.
Puis je me disais, bien, je suis réconforté par le succès du petit film, mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là? Puis je me suis dit, au moins, je vais essayer de rendre service. Puis il y avait un programme qui s'appelait Challenge for Change, qui avait été initié par 21 ministères fédéraux, qui avaient mis des fonds supplémentaires pour faire des films qui aideraient, théoriquement, qui aideraient les Canadiens à traverser la révolution de l'automatisation qui s'installait dans les usines, puis partout. Okay. Puis on n'était pas très contents, nous autres, les francophones, de tout ça. C'est qu'on crée une société, un groupe parallèle, qu'on appelle le groupe de recherche sociale. Okay. Et moi, je vais chercher un de ces budgets-là, qui était dans Challenge for Change. C'est un budget qui était dédié à observer le changement dans une petite ville qui subit la révolution de l'automatisation. Okay. Donc, je vais faire Saint-Jérôme avec ça. Saint-Jérôme. C'est une ville de 35 000 habitants située au cœur du continent américain. Les gens y parlent français, presque uniquement le français. Saint-Jérôme, c'est une partie du Canada, une agglomération située à 30 000 à peine de Montréal. Un morceau de ce petit peuple de 6 millions d'habitants qui vit non point en face, mais au sein même de l'immense Amérique. Et nous, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer ce soir, c'est d'examiner, à partir d'une situation que l'on connaît maintenant, au-delà de 1000 travailleurs mis à pied dans une usine, au-delà de 400 dans une autre. L'an dernier, 25% des citoyens de Saint-Jérôme se trouvaient en chômage. Et pour ceux qui travaillaient, la moyenne des salaires était la plus basse de tout le Canada, soit $69.59 par semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Qu'est-ce que la municipalité peut faire? Qu'est-ce que les hommes d'affaires de la place peuvent faire? Qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour s'assurer que la période de misère dans laquelle on a été précipité récemment soit le plus courte possible et que la vie économique reprenne? 69 dollars, ce serait la fortune en Inde. Mais au Canada, les experts disent que de gagner moins de 75 dollars par semaine, c'est la misère et la pauvreté. Nos pères allaient vers le nord. Où allons-nous? Nos pères allaient vers le nord. Pourquoi Saint-Jérôme, précisément? Bien, il fallait que je choisisse une ville dans laquelle il y avait une révolution technologique importante qui bousculait les usines. Saint-Jérôme, il y avait trois usines qui venaient de fermer parce qu'elles s'automatisaient. C'est qu'on congédiait des centaines de travailleurs en textile ou en chaussures parce que les machines faisaient le travail des hommes.
Alors, j'entreprends de faire Saint-Jérôme. Puis, j'avais été, moi, très marqué par une chose qui est arrivée avec un documentaire qu'on avait fait quand j'étais producteur encore, qui était le 5 septembre à Saint-Henri. Oui. Ça, ça avait été produit par Hubert Raquin, puis... Donc là, c'était vraiment plein de cinéastes qui prenaient la caméra. C'était dans un rêve journée. Que moi, j'avais eu de rassembler toute l'équipe française au complet, tourner une seule journée. Et puis c'est Hubert qui le produisait. Et puis le film est produit, il y a des difficultés quand arrive le montage. Jacques Godbout intervient comme monteur, puis il sauve le film d'une certaine façon, mais il lui donne un ton aussi. Oui, avec la narration qui est rajoutée. Puis là, le film sort, puis là, la bataille commence. Parce qu'à Ottawa, il y a des députés qui se lèvent pour dénoncer le film. Okay. Et puis ça faisait pression à la fin du film. Tu sais, le commissaire se faisait parler par le premier ministre, puis ça revenait jusqu'à moi pour dire là, comment se fait qu'on a fait ça, puis tout ça. Parce qu'il y avait des gens dans Saint-Jérôme qui avaient été très blessés par l'image qu'on a donnée de à Saint-Henri. À Saint-Jean à Saint-Henri. En particulier, il y avait une famille où Gilgo avait tourné. Puis eux, quand le film a été diffusé, ils ont eu tellement honte qu'ils ont tiré les enfants de l'école. OK. Fait que moi, quand j'avais appris ça, tu sais, j'avais à gérer un peu la crise. Ouais, ouais. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, il faut plus qu'on s'engage là-dedans. On ne se rend pas compte de l'impact. Mm-hmm. Que nous, les images qu'on prend peuvent avoir sur les gens qu'on photographie. Fait que quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, j'ai décidé que je me mettrais plus, me rendrais volontairement prisonnier des gens que je mettrais à l'écran. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu de faire signer avant le tournage une formule qui nous autorisait à utiliser les images qu'on prenait d'eux, je me suis dit, ça vous la signerez à la fin quand vous verrez le film. Puis en attendant, là, on va travailler ensemble. Puis ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, ça. Il y a toutes sortes d'affaires, tout à coup, auxquelles on a eu accès, parce que les gens avaient cette confiance-là qu'ils pourraient dire non au bout du compte, mm-hmm. si l'image n'est pas. Donc, les participants qu'on filme deviennent partie intégrante. C'est ça, du processus décisionnel de production. Puis, on avait commencé le tournage avec... on était fait faire un questionnaire par un psychosociologue qui avait 42 questions. Qui avait l'air anodine, tu sais, genre « Lisez-vous le journal local » et puis des trucs comme ça. Puis nous autres, on se rend compte, on avait le directeur photo qui était, comme on l'a nommé tout à l'heure, on cherchait son nom. Michel Régnier. Michel Régnier. Puis Michel Lézel qui était le preneur de son. On avait chacun une nagra, on avait chacun 20 interlocuteurs à rencontrer pour un questionnaire préalable. Puis on avait les 60 interlocuteurs, on les avait pris 30 dans le bottin téléphonique, puis 30 les gens de notoriété publique. Là, tu sais, les gens. Okay. Puis on se promène avec notre questionnaire de 42 questions. Puis après 2-3 semaines de cette affaire-là, on s'aperçoit qu'il y a 5 ou 6 de nos questions qui émergent partout. Elles sont reprises à l'Assemblée du conseil municipal, elles sont reprises au conseil du travail, elles sont reprises à la chambre de commerce, elles sont reprises au club Kiwani. C'est ça. C'est, je ne comprenais pas pourquoi ces questions-là émergeaient puis les autres n'émergeaient pas. J'étais allé voir un spécialiste de la dynamique des groupes parce que j'avais dit, qu'est-ce que je raconte ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui arrive là? Il dit, tu es en train de faire une intervention sur un grand groupe. Ah. C'était pas mon intention d'abord, puis je connaissais pas. Qu'est-ce qu'on sait sur l'intervention sur les grands groupes? Il dit, on sait pas grand-chose. Il me dit, c'est sûr que les commissions ont établi toute la théorie de la jute propre, là, comment soulever une population. Il dit, lis là-dessus, puis il dit, j'ai dit, moi, j'ai pas d'intention de rien du tout. Là. Non, il dit, juste lire pour savoir comment ça se passe. Puis il dit, va te donner une formation dans l'animation des petits groupes, puis essaye d'extrapoler sur un grand groupe. Okay. Ce que tu as dit, tu vas faire un travail de pionnier là-dedans. Fait qu'on parle d'une expérimentation cinématographique, mais là, ça devient une expérimentation sociale. Ça fait que moi, je m'en vais me donner une formation d'animateur de petits groupes. Je lis un peu sur la chose. Puis là, je commence à apercevoir des phénomènes comme ça qui se passaient parce qu'on tournait, tu sais, les gens. Et puis, après un bout de temps, comment c'est arrivé? C'est arrivé un incident, je ne me souviens plus lequel, où quelqu'un protestait
sur quelque chose. C'est que j'ai dit, on va faire à l'ONF tous les 15 jours une projection. On tournait sur nos mots de ce qu'on a tourné, puis tous ceux qui ont passé devant la caméra sont invités à venir voir. Okay. On se retrouve donc à réunir à l'ONF tous les 15 jours des citoyens de Saint-Jérôme de tous les milieux, parce qu'on se promenait dans tous les milieux, qui viennent voir ce qu'on a. Le premier de ces visionnements-là, c'est une catastrophe. À l'écran, je passe Jean-Pierre Potvin, leader syndical de Saint-Jérôme, qui chiale contre le maire puis contre la chambre de commerce et tout. Qui sont dans la salle. Qui sont invités dans la salle. Puis à côté de ça, dans trois, quatre heures suivants, c'est un pharmacien qui dirigeait là, une équipe municipale chargée de réaménagement du progrès, qui lui dénonce les têtes chaudes comme Jean-Pierre Potvin. Puis ils étaient tous les deux dans la salle. Ça fait que c'était frais, ça n'avait pas d'allure quand les lumières sont rallumées. Fait qu'ils se sont tournés, ils sont devenus hostiles vis-à-vis de nous autres. Okay. Ils n'osaient pas s'affronter. Encore là, ils nous ont raconté, mais vous montrez rien que les affaires LED de Saint-Jérôme, on a des ressources que vous ne montrez pas. Je dis, c'est quoi, quelles ressources? Ben, la rivière, c'est une ressource touristique importante. OK, on va aller tourner la rivière, puis dans 15 jours, on vous montrera les résultats. Puis 15 jours après, on tournerait, puis la rivière était pleine de déchets, puis n'était pas organisée. Puis ce que ça a fait, c'est sur 7-8 mois, il s'est créé une espèce de mouvement grâce à ces personnes-là qui, quoi qu'en occupant des postures adverses, là, se trouvaient groupées autour d'un même idéal, un même constat de la situation de Saint-Jérôme. Puis qui étaient obligés de travailler ensemble. Puis ils ont fini par former un parti politique, puis renverser le maire, prendre le pouvoir à Saint-Jérôme. Ah oui? Fait que là, moi, je suis sorti de l'expérience en disant le processus qu'on peut faire un film, là, il est aussi important que le produit à la fin. Mm-hmm. Puis ce processus-là peut être révolutionnaire. Moi, je l'ai fait sans intention. Ouais. Je ne voulais pas diriger ça, mais ça pourrait se faire. Mais de toute façon, le processus lui-même a un impact. Mm. À la fin, quand on est arrivé au montage final, là, ça protestait. Les gens disaient, hey, y a tel bout que j'ai dit, puis tu n'es pas dans le film, donc tu as l'affaire, je veux pas que tu dises ça sans ça. Puis... quelqu'un d'autre disait, ben écoute, si lui dit ça, là, retire-moi du film. Là, OK, il n'a pas été assez intéressant. Ben, on était obligé de négocier avec eux, avec tout ce groupe-là, notre version finale du film. Fait que ça devient un consensus. Ça a créé un consensus. Fait que c'était une expérience, dans ma carrière à moi, une expérience majeure, là, de découvrir à quel point ce processus-là, lui, est important. Le processus même. Puis comment on entre en relation avec les gens qu'on mène devant la caméra. Là. C'est des savoirs que j'utilise encore aujourd'hui, là, 60 ans plus tard. Mais en quelque part, pour en arriver là, il faut se mettre au service de la cause. Il faut peut-être un peu... Bien, c'est pas ça que j'en ai déduit. Moi, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il faut pas que je tourne sans en ignorant ça. Ouais, ouais. Quand je tourne un film, il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive aux gens que j'amène devant la caméra. Puis que je les fourre pas, là, que je joue pas avec ça, là, que je suis honnête avec eux, puis que je les préviens ou je les consulte en cours de montage, etc., pour être sûr qu'ils ne seront pas comme les gens de 5 septembre à Saint-Henri, là, qui ne sont pas blessés par le film. Ou si le film est de nature à heurter, qu'ils acceptent et qu'ils comprennent. Mmh. Peut-être les prétentions artistiques à ce moment-là, il faut faire certains deuils. Oui, mais il faut aussi développer une esthétique pour. Puis il y avait quelque chose qui m'avait influencé. J'avais rencontré un gars qui s'appelait McDougall. Il y avait aux États-Unis à cette époque-là, le président Johnson avait fait la guerre à la pauvreté, War on Poverty. Il mettait beaucoup de fonds pour combattre la pauvreté aux États-Unis. Puis McDougall, lui, travaillait au niveau Mexique. Je l'avais rencontré à Toronto dans une conférence. Puis il m'a raconté ceci. Il dit, moi, je travaille avec des caméras 8 mm dans des villages pauvres du Nouveau-Mexique. Je donne des caméras 8 mm aux adolescents. Puis je leur dis, allez tourner. Puis il dit, ensuite, quand ils ont tourné un film, je les amène à monter le film. Puis ils ont le projet dans le village. Puis il dit ça, il dit, la réalité de ce qui se passe, là, c'est que je les sors de la pauvreté. Il dit, la pauvreté, c'est pas seulement un état social, économique, et tout ça, c'est une culture. Okay. Et qui a ses valeurs positives et ses valeurs négatives.
une culture qui est basée en partie sur une forme d'information qui n'est pas juste. Qui est pas... Alors, quand je mets mes adolescents, ils sont obligés, là, quand je les mets à l'œil ton du 8 mm, je leur commence à leur apprendre à cueillir l'information. Mm-hmm. Puis quand je les amène en montage, je leur apprends à traiter l'information. Il dit, je change la structure fondamentale de leur culture de pauvreté. Puis quand ils l'amènent devant le village, c'est les adolescents qui transmettent ça à la pauvreté, à la population, puis qui amènent un changement pas tellement radical, mais très profond dans la façon dont la communauté agit. T'sais, quand ils sont réunis après le film, ils sont obligés de parler, ils sont obligés de discuter et tout. C'était sa façon de lutter contre la pauvreté. Puis moi, je disais, au fond, ce que j'ai fait dans Saint-Jérôme, c'est ça. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais, mais c'était exactement ça. Un bel accident de parcours, puis c'est quelque chose que vous avez fait dans les années suivantes aussi. Pour différents... Par la suite, j'ai développé beaucoup toute la direction du cinéma participation collective, d'une certaine façon. Ouais. Quand j'ai fait tout le temps, j'ai voulu aller vérifier plus loin un petit peu toute la question de la pauvreté comme une culture. Alors, j'avais lu un livre d'Oscar Lewis qui parlait de ça aussi sur la culture de pauvreté, comment dans la pauvreté, il y a un phénomène culturel qui joue, qui est très important. J'ai réuni 12 personnes de Centre-Ville de Montréal, puis on les a amenés à scénariser deux milieux différents, les amener à scénariser un long métrage qu'ils ont joué eux-mêmes. Okay. Et puis là, j'ai observé que Lewis avait absolument raison. On les a sortis de la culture de la pauvreté pour faire ce film-là, puis ils ont fait le film avec nous. Puis moi, j'avais comme une ambition en tout ça aussi d'accéder d'un retour au cinéma de fiction, tu sais. Okay. Mais je n'osais pas assumer pleinement ma place. Fait que c'est quand, plus tard, j'ai fait Tatouille au milieu de notre vie, là, tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de faux dans ce que je faisais. Okay. Je demandais à des gens de milieu défavorisé, ou comme dans Tatouille, de milieu ouvrier, criant des problèmes, je leur demandais de formuler un cri, qui était le cri que je voulais formuler moi, mais qui était fondé sur bien d'autres réalités que mes réalités à moi. Alors, après Tatouille, mieux de vivre, je me suis dit, je continue pas là-dedans. OK. C'est arrivé comme au bout du processus. Bien, surtout, j'ai aperçu qu'il y avait, sans que j'en sois conscient, qu'il y avait une sorte de malhonnêteté dans la démarche que je faisais. Okay. J'ai voulu cesser de vivre cette malhonnêteté-là. Mais tout le long, là, sur les découvertes que j'ai faites sur l'importance du processus, ça reste valide. Ouais, ouais. Puis à ce moment-là, c'est des gens qui sont pas habitués au cinéma, on les fait participer, comment... En fait, c'est toute la technologie du cinéma direct qui permet aussi d'en arriver avec ça. Donc, comment on les initie, eux, à cette... L'initiation se fait facilement, tu sais, les gens, mais sauf que ça nous amène toujours vers des films qui sont un peu à la recette hollywoodienne. Okay. Parce que les gens se racontent comme ils pensent, comme le cinéma qu'ils consomment. Fait qu'ils finissent toujours par créer des histoires. Là, ça se voit bien dans un autre film que j'ai fait qui s'appelait « Simple histoire d'amour » que j'ai tourné en Acadie. T'as la même chose, finalement, l'inspiration collective qui émerge, essaye de fitter avec le modèle que les gens connaissent du cinéma. Tu sais, fait que, okay. C'est un peu le prix à payer, mais il y a quand même dans ces films-là une sorte de... le ressurgissement là, de la culture réelle, populaire, là, tu sais, qui... ouais, ouais. Que le cinéma vient capter, vient même créer d'une certaine façon, parce que sans la caméra, c'est la caméra sans la convocation, moi j'ai travaillé, on travaillait beaucoup en création collective à cette époque-là avec les gens, tu sais, comment tu les amènes à faire un scénario de long métrage avec des personnages qui se tiennent, puis une histoire, puis une catharsis, puis toute l'histoire, là, il faut que ce soit aidé. Alors, l'auteur dramatique Michel Garneau, puis Yolande Rossignol, qui était ma co-réalisatrice, puis tout ça, ont beaucoup contribué à ça, à l'invention d'un modèle de travail en création collective qui permet, effectivement, à des gens de s'inventer, de se propulser dans la fonction de scénariste, de comédien. On est à une époque où la vidéo commence à prendre quand même beaucoup de place. Ça, c'est autre chose. À cette époque-là, bien là, il y a une invention technologique très importante qui va se passer. Okay.
Sony venait de mettre sur le marché une première petite caméra portative, qui s'appelait la Portapak, 200 lignes de définition. Okay. Et puis, c'était fait au fond pour l'enseignement dans les classes, puis des choses comme ça. Okay. Nous autres, à l'ONF, on tombe là-dessus, puis on est renversé. Tu sais, c'est la légèreté, puis tout. Puis c'est l'instantanéité aussi. On essaye de faire quelque chose avec ça, mais c'est pas utilisable en soi pour un documentaire, parce que comme la définition est tellement basse, tu peux pas le diffuser à l'écran, là, tu sais. À moins de passer sur un processus très compliqué, le transfert. Quand je suis appelé, c'est l'ONF qui me propose d'aller faire un film en Acadie, à Bathurst, avec un groupe qui s'appelait Télépublic. C'était des Acadiens qui voulaient faire un long métrage, puis qui avaient décidé de le faire avec le porte-à-pain. Okay. Et ça, c'est avant que j'arrive. Mais les autres, ils savaient qu'il y avait un problème. Leur ambition, c'était d'arriver à faire un long métrage, puis de diffuser ça à l'antenne de Campbellton. Mais ils n'étaient pas capables de le faire parce que l'image déchirait quand on essayait de le diffuser. Okay. Alors, nous autres, on va s'engager, là, Garneau, puis Rossignol et moi, dans tout le processus de création, mais pendant ce temps-là, le producteur essaye de régler le problème technologique, le problème de comment est-ce que son film, il faut terminer, il va être capable de le diffuser autrement que dans les salles de classe. Okay. Puis je ne sais plus comment c'est arrivé exactement, mais c'est un peu prodigieux. Il se rend aux États-Unis à une conférence de génie électronique. Là, tu sais. Puis il rencontre là deux ingénieurs de la NASA qui travaillaient, eux autres, sur la télécommunication avec les astronautes et tout. Okay. Puis leur soumet le problème, puis eux autres, ça les intrigue et tout ça est amusant. Fait qu'ils se mettent à travailler sur un système qui retirerait le signal de synchronisation de la porte-à-pack là, sur le ruban ou ce puis qui insérerait un signal plus stable qui, lui, pourrait diffuser l'antenne sans déchirer. Ils appellent ça un time-based corrector. Ils inventent le premier modèle. Quand on arrive au montage du film, de tout tourner, tout ça, à Radio-Québec, les deux gars de la NASA arrivent avec un premier appareil qu'ils font, puis là, on va faire le montage du film, et puis avec leur piton, ils gaulent chaque... Ils gèrent chaque image là, pour rétablir la scène. Okay. Puis aujourd'hui, il n'y a pas une télévision au monde qui va équiper avec un time-based corrector. Mais ça part de là. Ça part de cette expérience-là en Acadie. C'est très intéressant. Acadie à la NASA. Point de rencontre. Bon. Donc ça, c'est votre expérience par rapport au... À ce moment-là, j'étais encore dans la recherche, là, tu sais, la suite du cinéma direct, puis la création collective d'une forme de fiction qui se fait avec les techniques du direct. C'est ça que je te disais tout à l'heure, que j'abandonne plus tard, après peut-être faire dominer notre vie. Après, tout à coup, je perçois. Puis, donc là, on vient de parler de la télévision. Tu avais fait un passage à la télévision, mais par l'écriture. Donc, ça, c'est un accident. Comme je suis entré à l'office du film par accident, je suis à Québec. Je vis à Québec, je produis à Québec des films, surtout. J'en réalise pas beaucoup, j'en réalise un long métrage, de 12 aveux, mais j'ai de la misère à gagner ma vie. Je suis comme un trop gros poisson pour un petit aquarium. Tu sais, j'ai une carrière cinématographique déjà très longue, puis tout, puis j'ai pas les moyens à Québec de vraiment exercer ça. Et puis, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est ça. J'essaye de faire un long métrage avec une nouvelle de Gabrielle Leroy qui s'appelle La truite dans l'eau glacée et qui est dans le recueil qu'elle a fait sur les enfants de ma vie. Et j'apprends que c'est Radio-Canada qui possède les droits. Alors, je me rends à Radio-Canada avec le Richard Martin, directeur des émissions dramatiques, pour négocier l'achat des droits. Puis ils sont de mauvaise foi. T'sais. Ils veulent pas le vendre. Ils veulent confier à Blouin de faire un long métrage avec ça. J'ai 3-4 rencontres. Chaque fois que je pars de Québec, je viens à Montréal. Puis ça aboutit pas. Mais une de ces dernières rencontres-là, j'ai rendez-vous l'après-midi, le jeudi après-midi, avec Richard Martin. En partant de Québec, le matin, j'avais rêvé à la guerre de 14 puis 18, où mon père avait participé, puis j'avais comme bien l'idée, il faudrait faire une mini-série sur la façon dont les Québécois ont participé à la guerre. Okay.
Fait que j'ai écrit 10 lignes là, sur un petit papier. Le dactylo, le chapeau sur la tête, l'imperméable sur le dos avant de partir. Puis je me rends rencontré Richard Martin aux émissions dramatiques. Toujours aussi de mauvaise foi sur la question de l'achat des droits. Et en partant, j'y laisse le papier. Je dis, regardons ça, il y a peut-être moyen de faire une mini-série avec ça. Puis je rentre chez nous, jeudi soir. Vendredi matin, le téléphone, c'est Richard Martin qui dit, écoute, Danseau, il dit, j'ai lu ton affaire, puis il dit, on fait un téléroman avec ça. Puis il dit, c'est toi qui l'écris. J'ai jamais écrit un téléroman, que ça. Tu penses-y, là, tu sais. Il y a bien de monde qui essaye d'obtenir un contrat de téléroman. Il a acheté en offrant, il dit, c'est rare, là. Puis il dit, tu vas faire de l'argent avec ça, puis tu vas avoir une audience et tout. Fait qu'il dit, rappelle-moi lundi, tu me diras oui. Je l'ai rappelé lundi, puis j'ai dit oui. Puis là, il m'a donné un premier contrat d'écriture. C'est-à-dire, il fallait que je rédige les trois premiers épisodes du téléroman qui allait devenir le Parc des Braves. J'ai fait ça pendant l'été. J'étais ravi de faire ça. Je découvrais que j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à ce type d'écriture-là. La réalisatrice qui avait pris le projet en charge, c'était une réalisatrice. Moi, j'allais l'écrire, je ne la réalisais pas. Elle me dit, écoute, t'es trop connu comme réalisateur, faut pas que tu viennes sur le plateau. Okay. Elle dit, autrement, les comédiens vont se brancher sur toi tout le long, puis okay. J'ai accepté ça, je tiens. Mais pendant 4 ans, j'ai écrit 128 épisodes d'une demi-heure. C'était un délice. Puis quand c'était terminé, là, la série, je me suis dit, je sais pas ce qui va m'arriver pour la suite, mais en termes d'artiste, j'ai comme dit l'essentiel de ce que je pouvais dire. Par la suite, j'ai fait d'autres films et tout ça, mais j'avais un sentiment de grande, grande satisfaction. Puis il y avait tout le rapport avec le public, là, tu sais, qui était très vivant. Là, tu sais, oui, si j'écrivais un épisode ou des épisodes un peu tout croche, je perdais l'auditoire, j'en gagnais, c'était bon, etc. Ça, c'était ravissant pour moi. C'est une relation à long terme, contrairement à un film. Oui, c'est une relation à long terme, une relation très vivante. Là, tu sais. À un moment donné, on perd 300 000 spectateurs. On ne comprenait pas pourquoi. C'était la troisième année que c'est du téléroman. Fait que le service de recherche de Radio-Canada se met à faire une recherche là-dessus. Pourquoi on avait perdu 300 000 spectateurs assez abruptement? Ils font la recherche dans la ville de Matane. Puis ça, ils découvrent que ce qu'on avait perdu, c'était surtout des jeunes femmes qui avaient cessé d'écouter le téléroman. Comment ça se fait? Ben, Hélène Robert, c'est simple, Fernand. C'est ton jeune héros là, qui était joué. Un comédien aujourd'hui très connu, nom m'échappe là. Ben, tu l'as sorti de la série, tu l'as envoyé en Angleterre, puis l'action se passe au Québec, là, on ne le voit plus depuis dans l'épisode. Elle dit réintroduit un jeune premier, là, puis les filles vont venir. Donc, on a fait ça, puis ça s'est passé. Ah ouais. On a regagné nos 300 000. Fait que ce type de rapport-là, un rapport très éduqué d'une certaine façon, mais en même temps aussi très vivant, là, tu sais, la relation avec les spectateurs. Moi, ça, je trouvais ça délicieux. Puis au niveau de l'écriture, au début, donc il y a toute la mécanique télé à apprivoiser. Il y a quand même une structure qui est déterminée par la façon de j'apprends réaliser. Beaucoup, j'apprends beaucoup sur le tas. Comme j'avais quand même, tu sais, comme à l'ONF, j'ai quand même fait une trentaine de demi-heures dramatiques, tu sais, que j'ai écrit ou réalisé. J'en savais un peu plus déjà sur comment organiser le récit. Comment capturer une auditoire. Mais là, il y a des espaces. Mais là, je vais expérimenter avec le Parc des Braves. J'expérimente toutes sortes d'affaires. Puis comme j'ai beaucoup d'épisodes à écrire, je m'amuse. À un moment donné, j'entends la femme de ménage chez nous pendant que j'étais en train d'écrire, qui parle à la femme, puis qui dit « J'avais jamais vu le pied d'un homme. » J'en revenais pas, on peut dire ça. Fait que sur l'ordinateur, j'efface ce que j'en ai écrit, puis je commence une séquence. J'avais jamais vu le pied d'un homme, puis je fais une séquence avec ça. Okay. À un moment donné, j'ai fait une séquence. À Radio-Canada, on avait droit, je me souviens plus quoi, 8 séquences pour une demi-heure, quelque chose comme ça. Mais la durée ne devait jamais dépasser 2 minutes et demie. J'ai dit, je vais écrire un épisode dans lequel la première minute va avoir 1 minute, la première séquence va avoir 1 minute, la deuxième va avoir 2 minutes, la troisième va avoir 3 minutes, ça va aller comme ça jusqu'à 8 minutes. OK. Fait que j'ai fait ça, je joue avec ça. OK, moyen de se faire des propres défis. Je m'amusais beaucoup. C'est Vincent Gratton, moi, je voulais parler de jeune héros, j'avais peur. OK. Vincent Gratton, à un moment donné, il me dit, Fernand, dans un téléroman, là,
c'est toujours un moment donné où quelqu'un dit, viens t'asseoir, on va prendre un bon café. Il dit, si tu me fais dire ça jamais, je dis, je quitte le télégramme. Oh yeah! Fait que j'ai écrit un épisode dans lequel il le disait trois fois. Il s'en est pas rendu compte. Après ça, je lui ai dit. C'était vraiment... Dans la façon d'écrire, il y a les limites budgétaires, mais il y a aussi les limites des lieux. Il faut respecter... Cinq décors. Par pour épisode. Pour toute la série. Ah, pour... Par épisode, jusqu'à une limite de 30 ou 30 tours. Puis on a 3 minutes de plan extérieur qu'on peut accumuler. OK. J'ai droit à chaque épisode à 3 minutes d'image extérieure. Mais je peux faire 2 épisodes, il n'y en a pas, puis je vais en avoir 9 pour un des épisodes. Oui, les mettre en banque. Ouais. C'est toutes des questions budgétaires derrière ça. Oui. Puis c'est tourné en studio à ce moment-là. Oui. Donc, il y a moins nécessairement dans la façon d'écrire des Ah, t'es obligé, là. T'es obligé, là. T'as 5 décors. Tu peux pas en mettre 6. Il faut que ton action se passe dans 5 décors. Tu as des temps à observer, les placements de commerciaux, c'est toujours... Tu sais, les placements de commerciaux, c'est critique parce que ça peut interrompre une coupe dramatique. Tu sais, faut que tu le places de telle manière que ça fasse le moins de dommages possible. Mm-hmm. Puis il te laissait à cette époque-là, je sais pas si c'est encore vrai, mais il te laissait un peu de lacune, tu sais. Ton premier commercial n'arrivait pas nécessairement à la 8e minute. Tu pouvais jouer entre la 7e ou la 9e. Puis... C'est pas cadré. Mais par rapport à l'esthétique, tout ça, donc on est plus dans un téléroman de dialogue. Oui, oui. Puis, on est pas nécessairement vrai. Comme je ne pouvais pas aller, je ne réalisais pas, puis comme je n'allais même pas sur le plateau, j'avais aucune ambition esthétique cinématographique. Ça appartenait à la réalisation. Okay. Moi, ce que j'avais comme ambition, c'était la vérité de mon histoire, mes personnages, puis la structure du récit, à l'intérieur des limites du téléroman. Puis après ce passage-là, donc qui vous amène le Parc des Braves... Avec... Après ça, tout naturellement. Le Parc des Braves a bien marché. C'est que j'étais devenu, aux yeux de Radio-Canada, un auteur fiable, tu sais. Et puis il pouvait compter. C'est qu'il espérait que je m'embarque dans d'autres choses. Puis moi, je n'avais pas de projet clair à cette époque-là. Puis un jour, j'ai reçu un téléphone de Monique Messier. Je ne me souviens plus le nom de la film, une production, il y était 3 qui voulaient produire Des filles de calibre. Puis ils m'ont dit, écoute, est-ce que ça pourrait t'intéresser de le scénariser? Moi, je n'avais pas lu rien. J'ai dit, je vais acheter le livre, puis vous rappellerez. Puis quand j'ai lu Arlette Cousture, j'ai trouvé que c'était une formidable raconteuse. Tu sais. Je n'aimais pas toujours le style, je n'aimais pas toujours sa construction, mais il n'y a pas de meilleure raconteuse que j'ai jamais trouvée, nulle part. J'ai dit, oui, je vais le faire. Puis là, j'ai entrepris de faire. Puis ça a été relativement facile, là, tu sais. Il y avait un aspect saucisson là-dedans. Il m'a loué 20 heures pour raconter chez les Caleb. Puis là, c'est vrai que je le sélectionne. C'est pas la même chose parce que l'autre, vous partiez de rien pour raconter votre propre histoire. Ouais, mais j'avais une base d'histoire très, très forte. Puis j'avais juste à l'ajuster, à la découper, à la rendre cinématographiable. En y ajoutant des petits bouts de moi-même, là, tu sais, des fois, juste parce que j'avais le goût. Parce que... OK. Il faut se faire plaisir aussi, ouais, d'une certaine façon. Puis ça a eu un succès qui a dépassé toute prévision. Il n'y a personne qui avait venu à ce succès-là. Là, tu sais. Jusqu'à temps que vous faites partir votre personnage principal, le premier garçon, il fallait le garder. C'est... Oui. Non, mais je parle de Défi de Caleb. Wow. Là, à un moment donné, là, ça se diffusait le jeudi soir, puis ils fermaient les centres d'achat parce que tout le monde était dans les écrans, puis personne dans les centres d'achat. On a connecté avec l'inconscient collectif de façon au-delà de tout ce qu'on avait pu prévoir. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué après, je ne sais pas si c'est vrai, mais que c'était beaucoup relié à la défaite du référendum. C'est-à-dire que le référendum avait déprimé beaucoup l'esprit québécois, on l'avait perdu et tout. Puis là, tout à coup, les filles des Caleb amenaient un personnage féminin qui était une gagnante. Qui était forte, oui. À la fin, elle ne gagne pas, elle perd son homme, mais tout le long de l'histoire, elle gagne plein de batailles.
Il y a une thèse qui a été écrite là-dessus qui explique que, en partie la connexion avec l'inconscient collectif. C'est peut-être fondé, je sais pas. Mais j'avais pas de recette, moi, pour ça. Wow. J'avais pas prévu. Encore là, c'est un bel accident. Ouais. Qui est arrivé. Puis après ce passage-là à la scénarisation, vous revenez à la réalisation documentaire. Ben ça, je suis un petit peu obligé. Il y a deux choses qui jouent. La première, c'est que après Les filles de Calais, je vais écrire Caserne 24. Mais Radio-Canada n'est pas très content des codes d'écoute que je vais chercher avec ça. Tu sais. On passe à 7h30 après Télé-Série qui a un grand succès auprès des jeunes. Mm-hmm. Et puis on va chercher une auditoire de 780 000, 880 000. Tu sais. On n'est pas dans le million. Fait que Radio-Canada n'est pas très satisfait de ça. Mais ils m'estiment encore beaucoup. Ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses quelque chose qui t'engage plus, parce que c'est un peu un sujet extérieur à moi. Je commençais à vieillir. J'ai dit, voulez-vous qu'on essaye de faire une télésérie sur le vieillissement? Elle dit, oui, ça. C'est que j'ai écrit un premier projet là-dessus. Puis quand ça a été lu, ils m'ont dit, ça marche pas. Ils dit, on peut pas attaquer ce sujet-là sans passer par de la comédie, autrement le spectateur ne marchera pas. Fait que j'ai abandonné, puis j'ai commencé à penser à retourner au cinéma, là, tu sais. Mais à ce moment, il y a un remplacement du directeur, la directrice des émissions dramatiques, qui est remplacée par une deuxième. Elle trouve le dossier, elle lit les premiers scénarios que j'avais écrits. Elle dit, c'est formidable, cette affaire-là. Elle me rappelle, elle dit, écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut faire ça. Alors, j'ai dit, va voir ta direction. Les autres ont trouvé que c'était dangereux. Là, il décide de me recommander une série sur là-dessus, mais de me mettre une adjointe qui m'aiderait à faire quelque chose de plus léger. Okay. On fait ensemble 3 nouveaux épisodes qui sont soumis. De nouveau, la directrice de production des émissions dramatiques change de poste, une nouvelle personne qui entre là. Okay. La nouvelle personne qui entre là dit « Je veux rien savoir de ça. » Fait qu'on coupe ça. 2-3 années passent. Une nouvelle personne dans deux émissions dramatiques trouve le dossier et me rappelle. Puis il dit, il faut rembarquer là-dedans, il y a trop de bonnes affaires là-dedans. Fait que je suis un peu hésitant, je fais quelques textes d'essai. Puis finalement, la direction dit, non, on va pas là, il faudrait que ça soit de la comédie. Puis moi, je suis pas un auteur comique. Fait que ça a été un peu la fin de ma carrière comme auteur de télévision, sans que je le veuille trop, là, tu sais, c'est arrivé comme ça. Mais je commençais, moi, à chercher ailleurs. J'avais fait un autre raisonnement. C'est que je me rendais compte que sur le plan formel, j'étais en train de passer date. Là, t'sais. Sur le plan formel, la télévision que j'écrivais ou que je faisais ou que je réalisais obéissait à des recherches esthétiques qui n'étaient plus celles de mes contemporains. Mes contemporains embarquaient dans d'autres affaires. J'ai essayé de suivre, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas de fun. Puis que c'est pas ça que je voulais faire. Mais je me suis dit, je suis pas seul à être passé date. L'auditoire qui me suivait, lui-ci, il vieillit. Fait que je vais essayer de parler à cette auditoire-là. Puis là, j'ai commencé à faire des films sur le vieillissement. OK. Entre-temps, il y a d'autres films que j'ai eu l'occasion de faire. 2 longs documentaires. Un avec mon cousin Pierre, oui, qui s'appelle « Quelques raisons d'espérer ». Puis un autre dans les écoles sur les porteurs d'espoir. J'ai beaucoup travaillé sur le thème de l'espoir, de l'espérance. Mais en gros, c'est ça qui m'a dirigé. C'est que finalement, un dernier 10-12 ans, j'ai fait, ça va être le 6e documentaire que je fais de long métrage, qui ont eu la plupart, presque tous, de bonnes carrières de salle, là, mm-hmm, tu sais, qui sont restés 10-15 semaines en salle. Qui ont voyagé beaucoup. Qui ont voyagé. Donc là, j'achève le dernier. Je suis en montage de ce qui va être le dernier, je crois. OK. Donc un 3e film sur... Le vieillissement, ça va s'appeler Le Vieillage et l'Espérance. Qui essaie de répondre à la question face aux grandes pertes qui arrivent avec le grand âge, puis l'arrivée de la mort. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque part un peu de sérénité? Alors, c'est une grave question, une question souvent importante, mais c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai 90 ans. Les 3 dernières années, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Fait que la connexion est très immédiate avec ce que le film a fait. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc vous vous sentiez un peu décalé par rapport à la réalité de la télévision, de la production qui se faisait. Donc comment,
comment vous approchez votre création, votre nouvelle création? J'étais tombé sur un petit livre qui s'appelait « La vie des formes », dans lequel l'auteur expliquait que les formes en art, puis de toute façon, plus qu'en art, partout, évoluent un peu en dehors du contrôle de l'esprit humain. T'sais. Elles se génèrent les unes les autres par filiation ou par répudiation. Puis je me suis dit, ah, c'est ça qui m'arrive, je suis passé de date parce que les formes sont en train de changer, puis c'est bien correct, puis je ne vais pas combattre ça. Fait que je ne m'occuperai plus désormais du fait que je suis passé de date. Puis jusqu'à... le cinéma a toujours été pour moi plein de questions qui m'intriguaient. Alors là, je me suis dit, je vais continuer de travailler comme ça, je vais essayer de répondre à des choses qui m'intriguent. Mm-hmm. Quand je fais un documentaire, puis non seulement sur le sujet, mais dans la technique, tu sais. Okay. Puis à un moment donné, j'ai vu le magnifique film de Artus Bertrand, c'est sur Human, la série Human, qui est extraordinaire, dans laquelle ses personnages parlent direct à la caméra. Tu sais. Okay. Puis que ça a une force incroyable. Puis pourtant, je me disais, la même technique est utilisée en télévision dans les commerciaux, les gens parlent directement dans la lentille, puis ça n'a pas cette force-là. Qu'est-ce qui fait que ça a de la force, ça? Fait que là, je me suis donné ça comme défi, de jouer avec ça dans les films que je fais actuellement, que je termine. Ça fait 3 films où je joue avec le high direct, puis je le mets aussi. C'est pas toujours du high direct que je fais, là. J'essaye de faire, puis j'ai découvert que la force du high direct dépend beaucoup de la réalité de la relation de la personne devant la caméra, puis de l'autre derrière. Là, mm-hmm. Et le spectateur qui spectateur. Est au bord. Alors, les films sont restés pour moi jusqu'à ce jour, toujours. Il y a toujours un élément de défis techniques intéressants, ouais, à poursuivre. Puis ça, je suis encore là-dedans. Mais c'est les... Avec l'usage aussi de la musique, là, tu sais, un nouvel usage possible de la musique. Et les outils changent, mais il y a toujours ce. Moi, j'ai gardé. C'est pas des questions de semaine universelle, c'est mes questions. J'étais intrigué par la façon dont Artus Bertrand avait travaillé, ben, je vais aller voir. Là, tu sais. Dans le dernier film que je fais, j'ai essayé de me mettre à utiliser le paysage de façon différente. Il y a des études qui démontrent que, à mesure que tu vieillis, tu perds des choses, mais tu en gagnes. Hein. Puis une des choses que tu gagnes, c'est une plus grande capacité à la contemplation. C'est dans le développement naturel de l'être humain que son œil contemplatif se développe, puis surtout dans le grand âge. Okay. Fait que je me suis dit, il faut dans mon film que je donne une place à ça, que je donne un caractère contemplatif à certaines séquences du film pour exprimer un peu cette affaire-là. Alors, tu vois, c'est une... je ne peux pas dire que j'ai tellement réussi encore à date, là. C'est dans le montage, puis j'espère qu'on va y venir à bout, mais c'est fascinant pour moi. Ça m'intéresse. C'est pas rien que le sujet dont on parle, là. C'est la façon dont je traite ça. Je suis resté là-dedans pour tout de suite. Puis au niveau des gens avec lesquels vous entourez, est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce que ça vous nourrit aussi? Ça fait 5 films, 5 documentaires qu'on tourne, une toute petite équipe. C'est 3-4 jeunes et moi. Okay. Directeur de photo, preneur de son, directrice de production, 3 jeunes. Et puis une monteuse, oui. C'est comme ça que j'ai dit à 5. Et puis on fait les films ensemble. Et ils sont d'un dévouement sans faille par rapport à moi. Ils se vantent de connaître mon inconscient plus du conscient, mais moi, je connais le leur aussi. Je n'ai jamais besoin de mettre la caméra pour vérifier un cadrage. Là, Julien, il fait des cadrages meilleurs que ce que je peux imaginer. C'est la même chose au son et à la direction de production. Je suis très, très chanceux d'avoir cette petite équipe-là. Ouais. De pouvoir travailler dans l'espèce de confiance que ça donne. Là, je me trouve extraordinairement chanceux d'avoir une carrière de cinéaste. Toute ma vie, j'ai travaillé des affaires qui me fascinaient. J'ai été occupé profondément, naturellement, sans me poser de questions, par ce que je faisais. C'était une grande, grande symbiose entre le métier que je faisais et ce que la vie m'obligeait à expérimenter. Puis j'ai gagné ma vie à travers ça. Fait que, je suis chanceux, ça, sans bon sens.
Puis en touchant plein de choses, puis en vous réinventant à chaque fois pour... En essayant. Je vous remercie beaucoup pour ce bel entretien, pour cette générosité-là, pour ce parcours dans votre carrière. Pour avoir eu la chance de parler de tout ça. Merci beaucoup.